qui ça qui HMI là. Ou quand qui côté sorti? Ou quand qui j'ai le fait pour les arriver là? Est-ce que les propriétaires? Moi, je connais que vous avez aimé jouer les réponses avec toutes questions ça. D'ailleurs, on est patient. Alors, restez. Abonnez-vous si vous pouvez faire ça. Like et puis commentez. N'a pas de premier pose nous. N'a pas de Repose là. Bonsoir le monde. Nous voyons des bifelles, ça c'est Flash, variété qui entre la caillou. Et nous gagnons comme présentatrice Sarah Lee Jules. Et sous console là, nous gagnons Steve qui a bien géré nous. Nous connaissons que moi-même, sujet nous aujourd'hui, hein, nous parlons que l'HMI entre mythe et réalité. Nous sommes ensemble avec nous, un jeune artiste qui a battu pour faire chimer l'HMI, que nous prenons pour nous capables de passer un bon petit temps ensemble avec nous parce que nous plein causé que nous avons dit. Nous. Déjà, je dis bonjour, Josin. Salut, Sarah, c'est un plaisir pour moi là ensemble avec nous sur la tour HCDA ici. Et nous avons fait plusieurs adjustments dans l'année que tout le monde connaît sur nos adjustments update. Et nous sommes actuels chanteurs lead update. Et à côté de Beta Erickson, nous passons un petit taille notes tout. Et nous étudions la musicologie notes. Et nous passons tout un petit temps dans la musicothérapie parce que nous sommes animateurs psychosociaux dans les médecins sans frontières. Et pour nous citer ça seulement, nous c'est un jeune qui a fait chemin dans les chemins là, mais c'est n'a pas avancé. Voilà, je que nous te promets nous, c'est Jasmine qui est ensemble avec nous sur le panel aujourd'hui. Peut-être que nous allons parler de HMI là et entre mythes et réalité. Donc c'est Jasmine qui va laisser nous. Est-ce que son mythe, est-ce que son réalité? Donc du coup, nous allons commencer avec la première question. Qui c'est d'abord, qui sont pensés de HMI là? Est-ce que vous avez dit ça me pensé de HMI là? Nous avons préféré chercher qu'on ait plutôt qui ça HMI là. Ok? Dans le bon sens du terme. Parce que normalement, moi-même, je connais que HMI, c'est une appellation, c'est une façon haïtienne de jouer pour être capable de relier l'industrie de musique haïtienne. Même les gens nous disent HMI, et il y a d'autres monde qui doit choisir de EMA pour faire un site créole qui c'est l'industrie de musique haïtienne. Il y a d'autres monde qui doit dire en espagnol, mais pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est que HMI, qui c'est Asian Music Industry, est-ce que vraiment vous nous gagnez la canon? Est-ce que vraiment vous l'y a fonctionné? Et si l'a fonctionné, comment l'a fonctionné? Ok. Donc, vous se dit, est-ce que réellement l'y gagnez en mettre, l'a fonctionné, est-ce que l'a fonctionné? Est-ce que vous gagnez réponse à toutes questions ça? Okay. Et, bon, ma PC est toujours partagé ça moi-même que me connais avec Internet. Okay. Même à quitter à internet yo pour yo prendre le soin faire recherche tout yo même sous sujet a pour yo capable gagner une idée qui est plus large OK sur ce sujet a mais moi connais que mot ça HMI OK li sorti pour la première fois dans Compas Magazine dans Compas Magazine avec Patrick Desvarieux OK et à l'époque on pense que c'est en 1990, dans les années 1990. Okay. Mais, moi, ça, Patrick Desvarieux n'a pas traité comme ça, et puis l'a écrit dans un article Compas Magazine. Ça veut dire qu'on met, c'est déjà commencé qu'on avait compris. Non, mais c'est parce que communauté internationale, là, on nous dit diaspora haïtienne, ok, t'es utilisé mot ça en pile pour être capable d'écrire l'industrie musique haïtienne. Okay. Donc, et Patrick Desvarieux vini et écrit li nan yon article mais li joine ni déjà dans la diaspora haïtienne.
Et donc, du coup, si l'a dit que HMI la ligon met, l'état Patrick Devoye? Eh non. On nous dit si HMI la existé, si le grand met, c'est nous-mêmes, haïtiens. Qui met lui? Exactement. Ok, donc, non, vous ne pouvez pas dire qu'il a attiré attention. Non, mais c'est qu'il a attiré attention à quelqu'un de peut-être que vous dites que s'il existait, pendant que vous faites couloir là-dedans, le temps que vous êtes gentil. Mais s'il existait, à vrai dire, s'il pas existé pour qu'ils soient obligés à faire un chemin là. Bon, on nous dit que. Ma, beaucoup de gens me disent qu'il va exister. Nous allons laisser analyser pour nous voir est-ce qu'il existait ou pas. Ça nous là. Oubliez si c'est Konya ou à peine monté sous Flash TV côté que vous suivez émission Flash variété ou seulement abonnez, like, commentez. Nous retournons encore dans continuer ensemble avec question parce que je dis nous ensemble avec Jasmine, nous chanter update. OK? Donc Jasmine, d'abord vous sortez font belle déclaration côté que vous dit et il va exister. Et HMI là. Alors, lorsque nous faisons un remonter le 23 mars 2022, côté que MAG Haïti a fait une déclaration dans un article, côté que tu dis, l'HMI est tout sauf une industrie musicale. En plus, il y a quelques artistes qui disent haut et fort que HMI là lui-même, il y a une industrie qui n'a plus l'hypocrisie là-dedans. Donc, est-ce que vous pouvez aider ça? Faut me dire bien que avant tout faut me rappeler internautes que beaucoup de gens dit que HMI là va exister. OK, moi dit que n'a essayé analyser ensemble et pour nous garder est-ce que vraiment vrai HMI là il existait pour nous en Haïti. Et moi pas d'accord à 100% avec article ça. Pour qui ça parce que avant nous courir à bagaille, l'important pour nous aller dans définition yo. OK. OK. HMI c'est Asian Music Industry. Donc, faut nous garder qui ça yon industrie yé. Qui ça yon industrie yé. Yon industrie, ça nous faut quitter musique là de côté pour nous parler de industrie. Qui ça industrie yé. Yon industrie, et c'est un côté ou capable de jouer une production ou jouer yon marché. Ok? Normalement, là où se parle de industrie comme yon activité économique. Mais surtout comme un secteur de transformation des produits. OK? Donc si on y a là, nous prenons industrie, nous mettez musique collée avec, nous allons voir que industrie normalement c'est une activité qui économique, OK, et qui a transformé un produit qui est la musique. Donc ou tout à fait pas d'accord ensemble avec ça Mag Haïti. Ya yeah, c'est là mieux. Dit les toutes les bagages sauf yon industrie musicale. Et m'pas d'accord. Donc wa kounya là est-ce que industrie musique que nous gagnons là sont industries qui structurées? Non. Est-ce que sont industries qui gagnent provision légale? Non. Et bien pour vous bon, vraiment, dernier décret loi, nous te connaît qui parlait de droit d'auteur en Haïti, qui parlait de protection des droits, ok, dans la propriété intellectuelle, c'était en 1968. Ok, et là, ça a été mentionné clairement comme exemple, Nemo Jean-Baptiste avec Sico. Ok, depuis là, j'entendais. Haïti là, si gagnez mes amis, dites-nous en commentaire, même beaucoup de gens entendent, yon avocat en Haïti là qui fait une spécialisation dans le droit d'auteur. Oh. M'a connaît, bon, si gagnez, ça me connaît, mais moi m'a connaît.
Et depuis 1968, ça, on nous dit l'industrie, ça a la gommé pour l'Ouest, là, comme si existait dans toute intégralité. La gommé pour l'Ouest, là, gagné des provisions vraiment et légales pour le capable de fonctionner. Okay. Mais ça n'a pas jamais été fait. Jusqu'à maintenant. Et si nous regardons les métiers de la musique en Haïti, pas reconnaître. Oui, ou d'aller, etc., ou t'es fait. Et bien, voilà. Alors que dans la loi haïtienne, il dit clairement que l'activité socioculturelle ça est exonérée de taxes. Mais pas jamais gagné en loi vraiment. Pas lié, on décret avec une loi, c'est pas même bagaille. Oui, on décret loi avec une loi, c'est pas même bagaille. Pas jamais gagné vraiment une loi qui fait tout ça. Donc, un président. Vini là, il fait, il sort un décret loi. Il y a l'autre qui a venu, il a révoqué le décret loi. Ça. Et dernier moyen, il y a un moyen culturel haïtien dans la loi haïtienne, c'est avec Garcia Delva. Oh. Ok? Il y a la loi Delva qui parlait de promotion de la culture, mais ça encore, il est un peu vaste. Par rapport avec ça, nous vraiment parler de l'Ijodia qui c'est industrie musique. Donc, jusqu'à présent, vos cas disent que ce sont mythes ou bien ce sont réalités. Pour moi, elles sont réalités. Pour moi, elles sont réalités. Mais il y a une réalité qui besoin structurer, qui besoin un bon projet de loi, qui besoin des provisions légales pour être capable de fonctionner, qui besoin un ministère de la culture qui prend responsabilité et qui a mis des normes et des principes pour permettre que l'industrie ça fonctionne. Ok, m'comprends. Donc c'est peut-être ça qui fait que tout a gagné plusieurs artistes qui ont dit que l'industrie comme si c'était plein d'hypocrisie là. Non, mais l'industrie de tous les côtés, l'industrie de tous les côtés, il y a hypocrisie. Je ne vais pas calonner les artistes haïtiens parce qu'il y a fait hypocrisie entre eux. Parce que, et, si nous rappelons nous dernièrement là, et Niska a signé avec une compagnie, en disant un label en France. Donc, et lui-même encore l'a témoigné que c'est le même bagaille, différence sexuellement, mon lieu blanc. Mais c'est le même bagaille. Donc, pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Moi, pour moi, ça qui est important, c'est commencer à sensibiliser les musiciens. Alors, là, je dis musiciens, et monsieur, dame, moi, aller plus loin que les gens qui jouent guitare ou les gens qui chantent. Là, on a parlé des métiers de la musique. Ok? Premièrement, nous avons besoin de loi sur reconnaissance des métiers de la musique. Que Haïti Musique t'es essayé de jouer, mais qui n'a pas abouti. Okay? Parce que moi-même, j'ai assisté à un table ronde que Haïti Musique t'a organisé dans le village. Quand tu es venu avec un projet de loi sur reconnaissance des métiers de la musique. Ok? Ça, c'est un bagage qui est primordial pour nous. Parce que jusqu'à maintenant, et l'État n'a pas considéré la loi faire musique comme un métier. Pour vivre. Et c'est ça qui fait tout. Après que malgré l'École nationale des arts qui a battu tel ministère de la culture, moi, je n'ai plus préféré Well dans l'UEH là. Je n'ai plus préféré Well comme une université qui vraiment a formé le monde dans le métier musical. Parce que, bonjour. Il y a une industrie, pour l'industrie à marcher, pour l'industrie à fonctionner. Tout le monde connaît, il faut des productions. Oui. Et qui est-ce qui a produit? Faut gagner formation. Sans formation, on ne peut qualifier. On ne peut pas parler d'industrie. Donc, on pense que faut que tu aies un recyclage comme ça. Exactement. Philippe Saint-Louis dit tout le temps, je dis à la, n'importe qui a les bon matin, je dis que c'est promoteur. Mon gars, 3000 dollars américains, mais il dit bon, c'est promoteur, bon, fais ça, m'a fait ce programme ça là, m'a fait ce programme ça là, et puis il vient de 10 000, bon, promoteur net. Mais il pas même connaît qui ça veut dire un spectacle vivant. Il pas connaît comment pour le traiter un artiste, comment pour le recevoir un artiste.
Donc, si nous bien compris, le problème est tellement allé comme si et loin, côté que yo quitté n'importe comme si dégadi, n'importe musique, n'importe vidéo, comme si dans même monde, juste parce que pas vraiment de restrictions comme si pas de normes. Pas de normes. Pas de normes. Donc, vous pensez. Le ministère de la culture n'a pas fait travail, li Haïti. Les amis, désolé, désolé si nous disons ça. Et désolé tout le monde qui était ministre culture avant. Et ça fait le ministre culture après, et si on continue à faire le même jamais, c'est vérité. Ministère de la culture, pas pour la responsabilité. Donc, vous pensez que l'État supposé faire, et même j'ai ensemble avec, et ça YouTube faire, comme si les lois copent, que YouTube vient ensemble, là, qui sont en contrôle, comme si tout le monde va gagner genre de musique ou bien vidéo, comme si, après, il y a parfaitement comme si ça gagne accès. Regardez n'importe quoi. Donc, vous pensez que le ministère de la culture avec sociologue, si tout le monde a fait un travail ou bien penser vraiment, donc tu as supposé gérer ça pour génération future? C'est évident. C'est évident. Et, Fondou, tout problème où on a parlé là, il a retourné encore dans le projet de loi. Pour qui ça? Parce que c'est la loi qui dit, mais qui ça doit faire, mais qui ça pas doit faire. Et si on fait ça, pas doit faire là, mais qui sanction, il faut prévoir pour. Donc, si nous avons une industrie, et puis Haïti pas respecté aucune norme internationale, ça passe. Actuellement, Haïti dehors, il y a une industrie musique monde là. Haïti dehors. Oh, dehors. Vous faites propre musique là. Vous faites propre musique là. Vous voulez faire promotion sur Instagram ou bien sur Facebook. Ou font un petit bout de vidéo avec son musique là, yon coupe le pou. Yon dit ou pas de droit pour utiliser son ça dans la région là. Région là, yon retire le pou. Haïti pas la donne. Haïti pas la donne. Donc, pour yon là, qui s'est venu passer, jeune artiste yon, yon pour yon là, a mette tête yon, de yon, et chien maï. Ok, ça nous est les chemins là. Actuellement là, artistes en général mettent tête de yon. Et une fois qu'on commence à utiliser société de distribution, on commence à mettre tête de yon et chemins là. Mais qui t'aime dit, est-ce que pas gagnon typologie de monde que t'as essayé d'écrire ou t'as dit comme si t'as dit tout pour dire, mais qui laisse comme si vous pensez s'il t'est. Qui est-ce qui doit être qui place? Qui compétence pour doit gagner? L'homme qui le fait à la place, qui le fait? Pour non place. Donc, vous pensez... Je dis à juste avec un bac, ouais, je j'aime dire qui est-ce qui a ministre de culture, non? Sérieusement? Qui ça? Qui ça doit gagner comme compétence? Exactement. Beaucoup j'aime faire de ça. Mes amis, voyez un profil de poste là pour moi-même. Pour moi, parce que moi, j'aime moins ça. Oui. Donc, j'ai l'impression que c'est juste regarder. Il a dit, oh, monsieur, tu as organisé le carnaval bien. Et madame ça, lui implique un peu dans les affaires de musique. Et il a dit, j'ai dit, bon. Monter pour voir là, m'a cherché tes amis, ok, m'on est Steve là, gué un bon titre dans la musique, gué un disciple, m'a mettre un ministre dessus. On comprend. Donc, mais malgré comme si c'est tout sorti, la même monti j'en flou, parce que vous dites que son réalité, mettons Médel, mais pourquoi ça nous achète comme si vous nous dites que son mythe? Hein? Bon. C'est son réalité, ça veut dire là, ok, nous acceptons que nous sommes industrie. Mais c'est son mythe, c'est que nous n'avons pas tout le monde, parce que pas existant vraiment, gens que t'as pas compris rien. Bon. Donc, bon. Mais tout ça, on fait comprendre que nous n'avons pas qu'à marcher en Haïti, va oui? Bien sûr. Et marcher en nous, avec la de l'eau, va être. Bon, nous avons dit ça. Nous allons marcher. Tout est informel. Il y a le marché informel. Mais le bon mythe, il est là. Exact. Il a fonctionné là-dedans. Mais c'est la même chose. Il y a le café.
des festivals qui fait. Donc, un carnaval fait. Carnaval fait. Non, mais il y a aussi son activité économique. Oui. Donc, si bien métier de la musique, il y a des gens qui ont exercé, même si la majorité là-dedans n'a pas de compétences, pour y exercer. Métier ça, mais il y a des gens qui ont exercé métier musical. Il y a des gens qui ont fait musique, des gens qui ont produit musique. Nous chargeons des artistes qui travaillent à l'entier pour produire musique. Nous vendons musique, nous. Quand même, quel que soit le genre, nous vendons musique, nous. Nous jouons et festival, nous jouons bal. Donc, nous, dans l'industrie spectacle vivant. Donc, oui. Ils sont réalité. Mais pour nous, là, est-ce que la réalité, ça, est absolue? Okay. Là, nous avons besoin structure pour nous faire de l'industrie musicale noire, ok, une véritable industrie musicale qui est capable de compétitif sous scène internationale. Là. Okay. Donc, si on parle de structure comme ça, et ok, si toutefois HMI là comme si des structures, genre que on parle là, qui rôle admission il a gagné et pour nouvelle Haïti que chaque jour n'a pas né, surtout la période ça que n'a vive. Belle question, moi mes questions un peu. Bon, c'est ça. Et faut me dire que musique pour moi, on va dire, on va faire plus littérature. Musique qui a changé la vie en pile haïtien. Ok. Et ceci directement comme indirectement. Ma tout pour qui ça? On nous dit un jeune qui levait cité soleil. Il levait cité soleil, mais il levait avec un talent, la carrière. On dit qu'on chante. Il est vraiment qu'on chante et qu'on écrit. Il commence à produire musique. Musique que la produit, dans l'industrie qui structure, ok, lui a bon label qui a produit. Ok? Et label ça a fait partie de yon maison de disques. Oui. Ok? Tout à fait. Donc, musique ça qui commercialise, que moun remè, que yon sensibilisation qui fait, yon restriction qui mette, pour moun pas utiliser musique moun, n'importe qui, n'importe comment. Sous territoire. Moun qui veut une musique, ça achète et yon remè musique là, yon besoin. Yon achète que haïtien commence vraiment à supporter haïtien pareil. J'aime ça. Li ka dormi pauvre aujourd'hui. Demain matin, le levé riche. Et là, il fait plusieurs millions de dollars. C'est pas et plusieurs millions de dollars dans nos banques suisses. Mais qui entre dans nos banques haïtiennes. Okay. Et comme ça, son compte que l'artiste là lui-même va investir dans le pays qui va créer emploi, qui va créer richesse. Donc, si nous parlons de yon artiste comme ça, contrôler combien d'artistes nous gagnons en Haïti et contrôler combien d'artistes nous avons, nous allons citer nos nègres là ou bien mesdames, qui te fait un multimillionnaire si Haïti t'offre la possibilité de ça. Nous pensons que la musique qu'a changé la vie au paquet de monde dans le pays. Et dans la nouvelle Haïti, nous avons besoin de structurer l'industrie musicale nous, parce que ce qui a rapporté nous l'argent, ce qui a créé richesse, et richesse ça y a bon empire pour le pays. C'est vraiment intéressant. Et nous avons besoin de nous servir à la pause. Non, tout de là toujours dans souffrance. Pour qu'il pas battre nous yon chance. Est-ce que nous pas la vie sans sens? Songez sans
nos ancêtres yo qui t'écoulé. Son gène se peut m'gué, peut nous libérer. Nous perdons fierté, nous perdons dignité. Yo toujours a fait belle promesse parce que yo et Haïti sont belles commères. Depuis la jeunesse, m'a demandé de l'ouvrir. Pour nous, je y'a manipulé. Nous pas prêter à rien encore. Comme pas prêter à rien encore. C'est pas y'a passé bagaille. Nous pas prêter à rien encore. Comme fierté. Nous, c'est émission qui chaud, qui pi bon, qui pi boule dans le main. Après que vous souffle Flash TV Haïti, vous suivez émission Flash Variété. Je dis nous ensemble avec Jossman qui a été belle conseil pour nous. Et côté que la fille de ensemble avec lui, parce que nous sommes dit au cas de venir live, au côté de moi. Parce que tellement de déclarations qui fait tellement de bagages qui dit mes amis, pas oublier qui des commentaires, parce que commentaires sont vraiment utiles. Surtout, commentaires que artistes là, même personnellement, m'a demandé pour nous capables quitter, parce que nous vraiment envie qu'on ait qui ça que vous pensez. La continuer avec Jessica. Ok. Qui conseille ou t'as aimé partager avec un jeune qui a décidé de prendre tête libre pour dire que l'a évolué dans HMI-là, même si j'en et premier conseil, je vais vous donner pas mettre dans tête ou à évoluer dans HMI-là. Je dis à mon monde ouvert pour société, société de distribution, yo là, sur Internet là, nous avons utilisé et nous avons ou qu'à protéger le droit en tant que auteur-compositeur, Jodia, et à travers BMI, à travers SCAP, à travers SACEM, surtout pour le monde qui a possibilité de déplacer. Et moi, c'est toujours bon pour un artiste qui a une équipe qui a fonctionné avec elle. Mais Jodia, il y a un artiste capable indépendant. Mais et si l'artiste si a bien évolué à pas connaître, est-ce que vous avez un team ou fait et vous êtes capable de montrer ça, etc. Pas connaître la technique, parce que vous êtes venu ensemble. Normalement, nous travaillons déjà avec un label international qui est également Entertainment. Mais n'importe quel artiste là qui a placé, je dis, même j'en avais, et qui a une connaissance. Il n'y a pas gagné. Et sous nous, maintenant, pour le capable de sortir de l'île comme un artiste indépendant, et je pense qu'il a toujours contacté nous, même s'il a contacté Flash TV Haïti, qui a toujours fait un message là passé. Exactement. Oui, mais avec Dalma Entertainment, c'est justement ça, nous allons essayer de faire dans l'industrie. Ok, c'est vraiment intéressant. HMI sont réalité, mais nous avons besoin de structure dans l'industrie musicale haïtienne pour nous capables vraiment tirer le meilleur et de lui. Et maintenant, de nous tout encourager une nouvelle génération, mes amis. Parce que je dis à tout artiste nous qui en l'est là, qui a bien passé, qui a bien fonctionné là, qui ont été en place, jeunes artistes, qui ont joué. Et yo travail pour arriver côté yoyé jodi a certes mais yo te jwenn support population tout yo te jwenn support fanatique tout pour être capable d'arriver là et là nous arriver non moment côté et industrie musique là besoin 109 industrie musique là besoin jeune artiste qui déjà venu avec nouveau son qui venu avec l'autre couleur. OK, M'passe li important, mes amis, jodi a pour nous voyager, fixer jeune artiste yo kap vini. Et conseil tout pour jeune artiste yo, mes amis, s'il vous plaît, jeune artiste pareil, mes amis, pas mettez dans tête nous
que nous va joindre le bras, c'est un artiste qui enlève déjà pas le bras. Parce que nous-mêmes, tout, nous sommes en place, nous, c'est pas le bras qui te joindre, nous sommes travail. Pour y arriver côté Yulia. Nous déjà font un paquet de chemin là déjà. Si on a des nouvelles générations, après nouvelle génération reine. Nouvelle génération juste besoin de support fanatique. Mais nouvelle génération reine. On nous continue à travailler là pour nous prendre place dans l'industrie musicale haïtienne et surtout pour nous dépasser ça nous est aujourd'hui et Etienne Maela pour nous aller plus loin que possible avec musique nous pour nous vendre Haïti partout à travers le monde. Bon, c'était vraiment intéressant. Merci. Et merci ou même tout internaute qui était là, qui t'a regardé et puis qui t'a commenté. Pablier, rendez-vous à Cassé pour vendredi à 4h pour une autre émission. Il y a un autre sujet avec une autre invité. Bye bye. Nous prenons l'indépendance. Jour et jour, a toujours à faire violence. Majorité d'un peuple a toujours dans souffrance. Pour qu'il ne pas battre nous yons chance. Est-ce que nous pas la vie sans sens? Songez sans ancêtre, yon qui t'écoule. Songez, c'est pour nous qui peuvent libérer. Nous perdons fierté, nous perdons dignité. Campagne yo toujours a fait belle promesse. Parce que yo et Haïti sont belle commerce. Depuis la jeunesse, maman de l'ouvrige. Pour nous, je y a manipulé.